Yo les potes, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner Kakashi en pixel art. Avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche de notification et de liker cette vidéo. Donc comme matériel, il vous faudra déjà du noir, du bleu, du vert foncé, du beige, du bleu ultra foncé, du bleu foncé, du vert clair, du rouge, du gris foncé, du gris et du vert. Voilà, donc il vous faut beaucoup de couleurs. Voilà, pour faire un magnifique dessin, il vous faut beaucoup de couleurs, logiquement. Alors je vous conseille de commencer par le côté gauche, parce qu'en gros le dessin, en fait, il va être grand. Il va être grand à fond, donc je vous conseille de commencer par ce côté-là et voilà. Déjà, on va commencer par le noir pour faire les contours, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite là, on fait un petit espace, on fait un petit espace de 1, 2, et on fait 1, 1, 1, 2, 3 et 4. Ensuite là, on descend 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, donc là on a déjà démarré le pied. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que là on fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok. Ensuite là on fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite là on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ensuite là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite là, on fait 1, 2. 1, 2, 1. Ensuite, 1, 2. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ensuite là vous faites un petit espace, là vous mettez un petit point pour se repérer. Et là on descend. Voilà, donc là on se descend. 1, 2. Ensuite là on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Là on descend, on fait 1. 1, 2, 3. Voilà. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on fait 1, 2. Ok. Ensuite là on fait 1, 1 et 1, voilà. Ensuite après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'en bas vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là on fait la même chose mais en faisant 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Là on fait 1, 2, 1, 2 et là on fait 1, 2, 3, 4, ok. Après ça, vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, et là, 1, 2, 3, 4. Après ça, on fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Ensuite là, on fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Et là on fait 1. Après ça, là on fait 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. D'accord. Là on monte, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. On fait 1,
Et ensuite, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ensuite, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, là, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on descend de 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et on fait 1. Voilà. Et après ça, on fait 1, 2, 3. 1 et 1, 2. Voilà. Donc je vous dis déjà, ça c'est vraiment un dessin assez compliqué. Voilà, il faut vraiment suivre les carreaux parce que si on fait une faute, je vous dis honnêtement, on est dans la merde. Alors déjà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on fait 1, d'accord? Là, vous laissez 1, 2 carreaux et là au-dessus, on fait 3. Après ça, vous faites 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 et 1. Là, on fait 1, 2, 3, 1. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On descend de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait 2, 1, non, on fait plutôt 1, voilà, et n'oubliez pas de rajouter un petit carreau juste là, voilà, là, et ici, ok, après ça, on va compléter la jambe, donc là, on fait 1, 1, 2, 3, non, en fait, là, on fait ce qu'on fait, c'est, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc, après ça, on passe au coloriage. Et voilà. Donc après avoir colorié ce contour noir qui était trouvé réellement assez long, donc on va prendre le bleu ultra foncé. Alors déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire ça. Voilà, donc là on va déjà laisser des petits espaces. Ok. Ensuite là. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on laisse un espace. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est les traits pour le coloriage. Je vais vous montrer. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que là, hop. Voilà. Là aussi. Et voilà. Et ensuite là, en fait, là, tous les contours que j'ai fait, et ben à l'intérieur, il ne faut surtout pas colorier. Et donc là, on va passer au coloriage de nouveau. Donc là, en bas, voilà, on colorie ça. Hop, là aussi. Ok, et voilà. Ensuite, faut prendre le bleu foncé, voilà, pas l'ultra foncé, donc le bleu foncé, d'accord.
Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va colorier. Alors déjà ici. Ça, c'est clair, déjà ici. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va laisser, voilà, deux petits carreaux là. Là, on colorie ce qu'il y a dedans. Voilà. Super. Là-dedans, ce qu'on va faire, c'est là, c'est ça. Là, hop. Et voilà, donc là c'est vraiment hyper stylé. Ensuite là, vous allez faire ça. D'accord. Donc là, vous coloriez ce qu'il y a dedans. Ok. Voilà. Après ça, on reprend le bleu ultra foncé. Ah, super. Il est magnifique le dessin. Je trouve qu'il est magnifique. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bleu clair. Voilà, que j'ai oublié de vous demander au début de vidéo. On va colorier là-dedans. Voilà. Ensuite, là, on va faire trois là. On monte comme ça, de 4. Et on redescend. Ok. Donc là, regardez bien ce que je vais faire parce que c'est vraiment un truc hyper difficile et qu'il faut suivre. Voilà, donc regardez bien ce que je fais. Ok.
Voilà, donc faites très attention avec ce dessin parce que franchement, je vous le dis, c'est du level, frère. C'est du level, mais tellement abusé, quoi. Je comprends pas l'effet de ouf. Le dessin, c'est un truc de malade, je vous le jure. Pouah. Je comprends pas le délire, en fait. Franchement, c'est chaud. Je suis à l'aise finance. Voilà, ensuite après avoir fait ça, vous allez prendre le bleu, normal, ouais, le bleu. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire des contours. Les contours, ok. Bah, en fait, les contours, c'est aussi une chose très compliquée. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Alors en gros, déjà, vous allez faire un truc comme ça. Ok, hop. Voilà, celui-là, on refait la même chose. Voilà. Après ça, ce que vous allez faire, vous faites 1, 2, 3, 4. Ensuite là, hop. Hop là. Après ça, vous allez faire 1, 2 aussi ici. Voilà. Là, vous faites 4. Et vous faites 4 avec un petit 1 là, hop. Ok, là faut que ça fasse 1 2. Voilà, donc là on fait 2 x 2. Après, on fait 4. Voilà. Et ensuite, ici, en gros, ce qu'on va faire, c'est que là, regardez bien. Là. Là, on descend. Là, on fait 4. On fait 1. Là, on fait 2. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là ici ça fait un truc hyper stylé. Moi j'aime bien. Voilà, perso, je trouve ça vraiment assez d'art. Voilà, peut-être là encore, ce qu'on peut faire, c'est que là on peut encore ajouter un petit peu du bleu là. Voilà, un petit peu de bleu. Là aussi, un petit peu de bleu là.
Un peu de bleu là, partout. Là aussi, un peu. Ouais, là, ça fait encore mieux. Ça fait encore mieux. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le gris foncé. Voilà, là, on fait un, deux. Voilà, pour dessiner le contour de sa tête, là, on fait un. Ça, là, on fait cinq. Fait 2. Là on fait 5. On fait 2. Hop, là on fait 1, 2, 3, 4. On fait 1, 2, 3, 4. Là, on fait 1, 1, 2, 3, 4. Vas-y. Là, on fait 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Et 4. Voilà. Après ça, vous allez faire 1, 2. Et là, vous allez faire 1, 2. Ok. Après ça, vous allez prendre le gris clair qui va nous servir sur le bas pour la vidéo. Voilà, là, vous allez faire 1, 1, 2, 3. Là, on descend. 1, 2. Là, on fait, si on fait 1, 2. Là, on fait 1, 2, 3. Là, on fait 1. Là, on fait 1, 2, 3. Là, on fait 1. Là, on fait 1, 2. Et voilà. Alors, j'ai juste oublié un petit truc. Ouais, non, en fait, j'ai rien oublié. En fait, j'ai rien oublié. Après ça, vous allez reprendre le gris foncé qu'on avait besoin. Alors par exemple ici, là, on va faire un truc là. Là aussi, on va colorier. Hop. Et voilà. Ensuite, là, vous allez prendre le noir. Le noir, donc là vous allez faire 1, vous allez faire 1, 2, 1, 2, ok. Ensuite vous allez prendre le beige. Voilà. Ensuite, on prend le rouge, ok. Ensuite, on reprend le beige. Hop. Ensuite, on prend le gris clair. On prend le bleu foncé.
On colorie l'intérieur. Wesh, il est magnifique. Voilà. Ensuite là. On met un petit coup de noir. Avec un petit coup de bleu. Ok. On prend le gris. Et voilà. Waouh. Franchement, tellement bien réussi. Ensuite là, on reprend le gris et voilà, on colorie ici. Hop. Ok. Et maintenant, là, il reste plus qu'une zone à colorier. Voilà, à terminer. Et après, on aura fini le dessin. Ok, donc là, on prend le, bien sûr, le vert foncé, que j'ai oublié de dire. Et là, on colorie tout l'intérieur. Franchement, il est d'art. Hein. Moi, j'aime bien. Là, on fait un trait de 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà, en bas là, vous allez faire 1, 2, 1, 3. Ok, après ça, vous allez prendre le vert hyper clair, ou même clair, on peut dire ça. Donc là, on colorie, voilà, donc là, les zones qu'on aura besoin. Voilà. Après ça, on prend le vert normal. Ok. Voilà. Et pour terminer ce magnifique dessin, donc on va dire, on va prendre le beige. Voilà. On prend déjà le beige. Ok. On prend le gris clair. Voilà. Voilà. On prend le bleu clair. Voilà, pour terminer ce dessin. Et voilà les gars, donc ce magnifique Kakashi est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, voilà. Abonnez-vous avec la cloche de notification, car sur ma chaîne YouTube, je fais plein de pixar, voilà. Donc ça vous intéresse de voir des pixar de manga comme Sangoku et plein de trucs comme ça, abonnez-vous, activez la cloche, surtout la cloche là, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo les gars.